Salut tout le monde, c'est Deoxys et on se retrouve pour le 7ème épisode de Pokémon X et le souffle des ténèbres. Et donc la dernière fois, on s'était laissé devant ce joli coffre qu'on va ouvrir. Des Pokéballs, je ne savais plus. Et aussi, Teddy Ursa avait un objet. Alors bon, c'est vrai que ça remonte à loin, hein. Moi, 5 minutes. Pour vous, 2-3 jours. Donc, il a un antidote. Bah tiens. En fait, il veut se racheter un antidote puisqu'il se fait toujours empoisonner. C'est un Teddy gentil. Hop, un objet et une super potion. Par contre, on n'a pas de centre de soins. Ça commence à me faire peur. Oh, c'est vraiment les pas en ranger. Comptage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bon? Mais 8, quoi 8? Voilà qu'on est 3 maintenant. Mais n'importe quoi. Attention, mais hein, de les voir des essieux parmi nous. Ils font délire. Et regardez encore le gamin. Je soigne Teddy Ursa. Voilà, voilà, un centre de soins. Donc, là aussi, la dernière fois, on avait capturé Malos à 6 rouges. Les 6 abrutis là-bas. Mais en plus, c'est dans leur nom, quoi, je veux dire. Donc, Malos. Donc, voilà. Je n'ai rien fait. Percé noir. Ah oui, ça perce un truc genre protection ou allure, c'est vrai. Donc voilà, et on doit tous les battre. Ouais, pour avoir des Pokémon obscurs. Et donc, ils ont tous un Pokémon obscur. Et je vais vous demander d'en choisir un parmi les 6, à part Malos. Parce que Malos, je le rappelle, il est de type ténèbre-feu. Mais on a déjà un type ténèbre, j'ai déjà l'idée d'un type feu, hein, qui est un peu plus loin dans le jeu. Donc, vous choisirez parmi les 5 eau. Bon, là c'est sol, là électrique, poison normalement et plante. Mais poison, je dis, mais en fait il est assez bizarre ce mec. On va s'attaquer à cible. Rentre chez toi, à moins que tu n'aies envie de te battre contre moi. Très bien, c'est parti. Donc, c'est cible. D'ailleurs, leur nom est très bien écrit. Il faut tranquille quoi, Sir. Les Pokémon Go, c'est classique. Ursa et Noctalie, notre team. Puis déjà. Donc lui, il est assez moins fort. Il est beaucoup moins fort. Donc. Je sais plus qui a le moins de défense, mais il me semble que c'est quoi, Sir. Je dis peut-être des conneries. D'ailleurs, ces deux Pokémon, je les enchaînis. C'est bizarre. Quoi, voilà. Au moins, une attaque sert mimique. Sert plus qu'un rugissement. Retour. Hippotrempe résiste. Et il fait brouillard. Ça m'a fait toujours délirer. Mais j'adore quand Typhlosion le fait aussi, parce que Typhlosion peut la prendre. C'est très ridicule. Et ensuite on verra son Pokémon obscur. Donc la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai pris son Pokémon obscur, hein, je l'ai pris dans ma team. Extrêmement puissant. Et donc, voilà, c'est Obali, mais encore une femelle, mais non! 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 Les empoisonnements et les femelles, je ne sais pas. Peut-être que le jeu est programmé pour donner que des femelles au début du jeu. Non, parce que je m'adopte à l'animal. Bon. Je préfère qu'on me griffe sur Bali et on va tenter de le capturer. Non, il utilise déjà des Pokéballs sur un Pokémon full life.
moi je suis comme ça. Bon, après les captures ce sera un peu plus dur hein. On n'aura pas 1, mais 2, ensuite 4, ensuite 8. Oh le combo arrive. On va se pas le tuer. Pour le singe. On peut voir. Ça, ça touche tout le Pokémon. Bon, après, les attaques obscures deviendront super classe et super puissantes. Envoyer deux Pokéballs à la suite. Hein. Sinon, ce serait trop cheaté. Pour passer le temps, bah, j'appelle les Pokémon. Et les captures. Voilà, on a battu 6 points. Sale gamin. Hein, c'est un jeu de mots. Parce qu'il y a un Pokémon qui s'appelle Stalgamin. Non, je déconne. Oubliez de jouer en votre équipe. Quand je m'énerve, je perds tout simplement le contrôle. J'ai voulu t'épargner ça. Excusez-moi. Donc, on va affronter 6 brins, il me semble. Il s'agit de. Je t'ai déjà dit de d'écarpir. Donc. Bon, voilà, c'est 6 brins. C'est vrai que c'est des Pokémon sol. Hein. Et l'obscur, il s'agit de Balbuto. J'ai pas vu son sexe. Ok, il n'a pas. Ça c'est clair, il n'a pas. D'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi il a pas de sexe? Okay, c'est un truc bizarre, mais il devrait avoir un sexe quand même, je sais pas. Alors, Balbuto est un Pokémon super fragile. Mais vraiment. Là, j'ai même peur de le jouer. Hein. Et en plus, bon, si ça avait été Karoui, j'aurais balancé le bordel. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il y a le noir. La précision baisse, tant mieux. Ah non, l'esquive. C'est pas très grave. Balbuto est un Pokémon pas terrible. Je dois l'avouer. J'ai essayé de jouer Kaorin, mais le seul moyen de jouer Kaorin, c'est l'explosion. Qu'il soit assez efficace. C'est comme tu prends Terraclope, Terraclope complètement cheaté. Alors que. Je prends Terraclope d'or noir 2, ça il l'est plus. Hein. Donc alors aussi on ne pourra pas avoir un Pokémon 4G parce qu'il y en a deux dans le jeu mais on ne peut pas les avoir. Bah tiens, il est gentil lui. Et donc on a battu 6 brins. T'as gagné maintenant. Balbuto le rejoint votre équipe. Tu dures de la feuille toi. Va jouer ailleurs, t'entends. On va faire le. Non. Est-ce que je me soigne? Oh. Jolie équipe. Regardez. Ah non, il a quand même 33 de défense spéciale. Je ne pensais pas aussi résistant. Mais bon, ça vaut pas un Octalie. Hein. Et on va battre 6 verts. Cherche-nous, les sextupés. Tout est 6 fois plus grand. Notre solidarité, notre force et notre frigo.
Par toi, pouvait-il le pouvoir de 6 va t'adortir. Ouais, c'est si bien. Mister Mecha, ok. Il y a des Pokémon plantes. Je me souviens plus quel est l'obscur. Pokémon. Je pense qu'il y en aura 4. Un retour sur un coup critique bot, toi t'es mort. Parce qu'il est en Pokémon sauvage. C'est vraiment pur. Ah, ça aurait été. Oh, ce serait bien pas le temps. Vas-y, obscur, obscur. Non, il est pas obscur. Sniff. Sniff. Je suis triste. Hop, morsure, au revoir. Merci d'être passé. Oh mon dieu, quelle puissance. Voilà, one shot de Balignon. J'aimerais bien voir un Balignon. Pomme de pique. Ça va, c'est pas ça. Ce pomme de pique, c'est au revoir. Explosion. Ouais. Bon, ce sera super. Comment en fait qu'il n'est même pas. Bon, je pense qu'il est. Non. Ben voilà, t'as un Nipio. Encore une fois, mais non. Oh oh. C'est la fête. Ça va, il fait charge. Bon, Calypso, c'est la fragilité par excellence. Mais le Pokémon très facile à capturer par excellence aussi. Donc alors aussi les méga Pokémon n'existent pas. Hein. Parce que sinon ce serait sympa. Ouais, j'ai trouvé une méga gemme par terre. Donc Renipio a des attaques noires, mais voilà, en noir. Franchement, Tangalis, c'est assez sympa parce qu'il est rapide. C'est le Pokémon le plus rapide du jeu à cette époque-là. Bah je suis en charge, super torpille. Allez hop, c'est la capture. Chut, chut, chut. Non. Ça a été presque. Bon, charge. Je pense que ça va être le au revoir. What? Qu'il a pas du tout de défense. Enfin, peut-être que je dis des conneries parce que sa seule attaque c'est prescience. Patience, pas prescience. Regardez, il me fait un critique pour les variants. Donc on va essayer un nouveau griffe. Là je commence à avoir peur. Je regarde pour la fin parce que j'ai pas envie d'être paralysé. Fini, fini. Et c'est bon, il est capturé. Et on a battu Fiverr.
fait écraser à la puissance 6. Tout est 6 fois plus grand alors. Donc, ça pite aussi. Non mais si tout est 6 fois plus grand, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est la logique de Nintendo. Tu sais, tu ferais mieux de retourner chez ta petite maman. C'est dangereux ici. J'aurais pas dû l'affronter. Il s'appelle Siviole. Mais il n'y a pas de E, donc ça s'appelle Siviole. Mogo et Tadmor. Ah, Tadmor. Ce Pokémon est magnifique. Ursel Octali, bah. Voilà. Ça change pas. Et il a 4 Pokémon. Bon, Smogo, en fait, c'est pas celui qui fait le plus peur en ce moment, parce qu'il a pas encore destruction. Je compte en Smogo. Non! Non! Arrête ça tout de suite. Arrête ta purée de petits pois. Je peux m'empoisonner! Oh mon dieu! Je ne suis pas empoisonné! Oui! Enfin! Après 2 heures de jeu! Ouais, donc t'as les niveau 16! Et il tente d'affronter poursuite. C'est une assez bonne capacité. Franchement, je suis pas un gros connard, donc j'ai oublié le jeune somme. Mais bon, Octali apprend tout de suite. Oh, t'as cool. Oh, je m'en trouve des putes, ça. Je pense que ça va être comme... Oh un mal! C'est si viol, bah je t'aime bien. Donc je vais mettre un E. Parce que t'es gentil, tu m'envoies des Pokémon super mal, enfin. Poursuite. Ah, j'ai jamais vu l'animation. Blocage pour moi, va dire. Non, j'adore mon pied. Enfin, le tout, il est super sympa. Voilà, on peut pas switcher maintenant. Voilà, Tentacool, au revoir, je pense. Merci d'être passé. Ah, donc, nos niveaux sont assez élevés. Hein. Alors, j'aimerais pas le rater, celui-là. Lance-vie du Pokéball. Allez, laisse-toi capturer, comme ça je pourrais faire le dernier. Merci, t'es gentil, Gloopty. On va faire le dernier, hein. Bah bon, j'ai perdu. Donc voilà, on va juste aller se soigner et on va faire le dernier, même si il reste pas beaucoup de temps, mais vous aurez une vidéo un peu plus longue. Que si j'ai une 3DS, quelle incroyable surprise. Et donc si vous voulez mon code ami, bah vous me le demandez. Je vous répondrai sûrement. Peut-être. Un jour. Peut-être pas, mais on est occupé. Tu veux vraiment jouer avec moi? Ouais. Bien, je sais qu'il y a faire cette fois. Donc voilà. Et c'est 6 jaunes. Donc alors, Dynavolt et Lupio. Ce ne sera pas Dynavolt. Hein. On va dire tout de suite, parce que sinon je vois plein de Dynavolt dans les coups.
Alors. Quelle est la plus puissante? Morsure ou. Poursuite? Oh, c'est morsure. J'ai des conneries depuis tout à l'heure. Attention, il fait charge! Je vais mourir! Oh, c'est pas le one shot, dommage! Pistolet, hein. Quand tu vois les dégâts qu'ils font pour Doctali, ça fait pitié! J'adore ces jeux. Et t'es dur, ça monte au niveau 16. Ouais. What, what? C'est un bal. Oui. Oh, un Pokémon obscur. Lance-lui tu Pokéball. Des ténèbres. Une snatch ball, c'est plus une Pokéball. Ah, 0, ouais. Pourquoi toi tu pas grave. La vidéo doit durer plus longtemps. What? Ha ah, ah, synchro. L'assaut des moutons. Je vois un mouton dehors chez moi et qui fait à l'attaque, j'ai un peur. Lance-lui du Pokémon. Allez, on va compter. 1, 2, 3, étoile. Ouais. On a battu Citron. Je déteste les mobs. Et Wattfoot est dans le PC. Donc n'hésitez pas à choisir lequel vous voulez. Et si vous êtes sadique, vous choisirez Malos. Ce que je ne veux pas, parce que même ce serait pas bon stratégiquement. Parce que Malos est ténèbre. J'ai un Octali. Hein. Puis même, de toute façon, je pense que je le prendrai pas. Même si vous le choisissez. Si vous êtes sadique. Et je prendrai le deuxième. Mais bon. Parce que j'ai déjà un ténèbre et j'ai envie d'un feu. Qui est un peu plus lent. Donc voilà. Je suis entre Obali, Balbuto, Watwat, Gloopty ou Grillipion. Et on va. Je vais aller devant le centre. Enfin, le centre. La machine. Et je vais les déposer tous les 6 à côté. Voilà. Allez.